Allez, je lance l'enregistrement. Bonjour VOD, bonjour YouTube, bonjour le monde. On est sur, je sais pas, sur la fin de Dead Island, mais je ne sais pas à quel point. Et on doit retourner à voir Emma pour lui demander de jouer de son pouvoir de séduction d'actrice reconnue et admirée. Pour qu'un mec nous emmène quelque part, je sais même pas trop où. Hollywood, je sais plus. Bref. On va foire. Ah ben non, mais pas tout de suite, je pense. Et on vous dit coucou la VOD avec des petits pets. 750 mètres carrés. À Bruxelles, c'est un manoir. 1650 mètres carrés, bah c'est beaucoup, ouais. Ça me semble, hein, beaucoup, moi. Emma will convince Patton. This time I'm getting out. Thrown away like spoiled meat. It's Carla. C'est Carla. Oh là, ils s'en foutent. Oh là, ambiance de merde. On a une nouvelle d'Andrea. Quand il te détecte, il y a une icône au-dessus de la tête des gardes. J'en ai juste jamais vu. Je sais pas pourquoi le jeu me voit comme détecté, tant pis. Moi je tue personne. Ouais, alors t'as des... je crois que t'as des défis d'ailleurs quand tu tues personne, mais par contre la détection, je sais pas. Je sais pas si t'as pas des trucs qui peuvent te détecter sans que ce soit des humains par exemple. Je sais pas. C'est-à-dire quoi VOD? C'est-à-dire Video on Demand. C'est-à-dire, pas le direct, la vidéo à la demande. C'est fou, non? Ah! J'ai une notification qui m'énerve, attendez. J'arrive pas à la virer. Voilà. Excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Voilà. Est-ce qu'elle a taille... Attendez, je regarde d'ailleurs si... Hop, voilà. C'est bon. Ah, Andrea, ah, c'est elle, Andrea, c'est mamacita. Ok. Je cache ma gueule. Andrea. Welcome. Good to see you alive. Not cleaning? No. I burnt my mop. J'ai brûlé ma serpille. I shoved it up a certain gulo. Madrecita. You really show them what's what, huh? I must confess. I raised my hand to Emma and Sam. Mmh. En même temps, enfin, en plus c'est l'apocalypse et tu demandes à ton personnel de continuer à faire le ménage. Faut peut-être abuser, faut peut-être arrêter d'abuser. But perhaps something good can come from all this horror. I hope so. Yes, maybe. I just think perhaps with Sam she can start again. A new Emma? That'd take a miracle. Miracles happen. She came to this house, you know? Il est chelou son pull, il rentre dans son bras. Really? We will be safe now. For a moment, I saw the old Emma. Gracias a Dios. But, where is she? Où elle est où? And Sam? Ah, you only just missed them. After my chancla... Well, they seem... Normal, Trapil, tu es modérateur. C'est normal. Emma Jones. In the sewers. If anything transforms her, that'll be it. Ok, c'est, on s'emmerde en fait un peu, non? God, watch over you all. Allez! Whatever happens, you will always be welcome at the Salazar residence. Thank you, Madrecita. Allez, merci! On devait chercher Emma. Tac! Back to the sewers, then. Ils sont où? Je vais par où? Faut que je sorte? Mais après, j'ai pas vu le stupre. Bah, tu me vois pas, juste tu le vois. Enfin, bref, on s'en fout, Trapier. On s'en fout. Bienvenue là au final.
Ça fait la ville dans tous les sens. Je suis partie jouer, t'étais à l'hôtel. Ouais, bah oui, il s'est passé des choses, effectivement. Effectivement. Oh. Mais du coup, faut que j'aille là. Oh, j'ai mis, ils sont trop forts pour mon casque. Ah, mais c'est lui, hein. Ah, j'ai oublié la touche. J'avais oublié la touche, je suis morte. Ah, il m'a vomi dans la bouche. C'est trop craspec. Je vais changer de objet à lancer. Je vais mettre... Du coup, j'ai une bombe à clous. Non, arrête. À la place de ça, je vais tester. Parce que lui, tout ce qui est explosion, ça a pas l'air de le déranger trop. Bombe à clous, il a l'air de s'en foutre aussi total. Non, mais c'est bien, on teste des trucs. Ok. Les bruits d'impact sont très très impactants. Oh, il me saoule lui. Il n'y a pas de musique, c'est trop, ça déprime de fou. Allez, cours, je t'en supplie. Ça impacte grave. Ah là, ça s'entend. Pas sensible aux feux ni aux explosions. Dans quel monde? Moi, je n'ai pas sensible à ça. Il maîtrise le feu, j'essaye de faire H. Ah, alors du coup, il maîtrise du tout. Il va mourir là un jour ou pas? Merci, c'est gentil. J'ai mis la moitié de... Mais laisse tomber. La moitié de la vie de mon arme. Bon, on va voir. Alors, on va voir le gars qu'on avait croisé qui était un peu dégène, on va dire. Flemme. Et mais qui apparemment est fan d'Emma. Et du coup on essaie de les trouver. Mais flemme d'affronter tout ça. Donc voilà. Trop flemme. Oh, you're here. Stopped by yours first. Andrea said you wanted to get a head. Yes, well, she really wanted us to stay, but we have to be firm with her. Hey, who's out there? Patton, it's Carla. What a surprise. Mais comment ils se connaissent, eux, avec Patton? Bref, on va. On va retrouver. Ouais, c'est ça, on va Netflix and chill. Oh, hey. Oh, hello. Oh, it's a mess. Everywhere. Ms. John. Oh. There's no need to kneel. We're not the queen. Horrible. Call me Emma. Tap on. Ah. Patton. And I'm Sam B. You know, who do you voodoo, bitch? Patton, I really need your help. There's a helicopter on Hollywood Boulevard. All we need is a pilot. No, 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 no. I can't. You know, avec cette bande d'arcade qu'on sur laquelle on ne peut pas jouer. Remember how Randy couldn't get back in a car after his crash? But then, when the monster was about to get me, he suddenly shows up in a Camaro and saves me. So cool. I need you to be my Randy. Be Randy for all of us. Okay. Okay, yeah. Yeah. I'll try.
for you. Aww. Thank you. I think I remember how to fly. Ah, ce serait bien, hein? We are going to die in a fireball. C'est possible. Big smiles, come on. This way for the happy ending. Thank you. Oh, t'es qu'à retrouver internet, la même joie. La femme de Karma, de ménage, a carrément pris ses aises dans son pavillon. Oui, oui, en fait, elle les a quasiment virées, je crois, ou en tout cas, elle leur a... Elle s'est rebellée, et ça a eu l'air de marcher. Onwards and upwards, man. Ils sont dans les égouts. Bah en fait, c'est parce que lui, il est. Et on allait le voir. Le truc, c'est que comment eux, ils le connaissent, comment ils se connaissent tous, je sais pas. Je sais pas, hein. Comment ils savent que c'est là? Enfin, je sais pas, c'est pas très clair. Ok. The Metro! Ok. Ah, mais ils sont loin. Ils sont où? Oh. Danger public, j'ai eu un plan. C'est quoi? Ah, je sais pas. Oh, je sais pas. Oh. Alors. Faut que je répare des trucs. Ouais, je vais réparer, je vais réparer. Depuis le début, on sentait qu'elle était chez elle déjà. Ouais, c'est vrai. Je touloute toujours. Hello, Gueno. Comment qu'il va, Suzy? J'ai des nouvelles cartes apparemment. Alors, toucher la tête avec une arme de. Un lancer d'armes. Ouais, mais j'utilise très peu les shurikens et tout et tout. Ah, dépense de la santé. Oh non! Alors, maintenir qu'un colère sanguinaire permet de vomir sur la cible une bille caustique. Ok. Permet de pousser un strident hurlement qui inflige affaibli. Ah, peut-être, c'est... Qu'est-ce que c'est bien? Ouais, je prends plutôt ça. Alors, un bonus mineur de dégâts aux attaques contre les zombies à terre. Pourquoi pas? Aucune attaque pour subir des dégâts d'affinité, t'as un bonus mineur de dégâts. Ah, c'est bien ça. Ok. Ok, ok, j'ai fait mon petit deck là. J'ai toujours pas fait mon devoir, quel talent. C'est vrai? Hello, fille. Demain, je détruis à 6h du match. T'as avancé un peu au moins? Ça va, arrête de Dilo. Ah, elle arrête déjà? Je comptais la raid. Je me suis dit, je vais arrêter plutôt pour la raid pour lui envoyer un peu de la force. Vu que c'est son manif. J'espère que vous lui avez souhaité. T'auras zéro envie demain et tu vas faire de la merde. En classique, 6h du mat, tu vas torcher le truc. Jonas Viteuf, c'est vrai. Je serai motivé, je suis flamboyant moi. Bon courage. Qui? Dilo? Dilosiris? Oh non! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Fais gaffe à ta gueule toi! Ah oui, ouais! Elle a pas vu beaucoup de stream parce qu'elle a beaucoup de taf en ce moment, mais c'est son anniversaire aujourd'hui. Bon, enfin. Ça allait plus depuis 24 minutes, mais voilà quoi. Rééquilibrer la pression. Ok, ok. Oh non, j'ai détesté ce truc-là, je fais n'importe quoi à chaque fois. 10, 20. Faut que je fasse 10. Alors j'enlève ça. Ça fait combien? Ça fait 0. Il faut que je fasse ça, genre. Voilà, ça fait ça. Il me manque une valve. Mais oui, mais il me manque une valve. Oh, mais je suis à chier dans ce truc-là. La dernière fois, j'ai mis tellement de temps. Et en plus, là, il y a du feu. Ah ouais, ok, attendez.
Attendez, je vais arrêter de paniquer. On va prendre de l'eau. Et on va envoyer de l'eau. Ça me semble être déjà une bonne idée. Voilà. Ensuite, on va activer ça vite. Quoi, ça a pas marché? Mais j'ai mis... J'ai fait... Quoi? Arrête. Bon, il me faut une valve. Ah bah, elle est là. Voilà. Ça, c'est fait. Et ça, je prends. Et ça, je prends. Et ça, on va casser. La nuit de deal. Ouais. Je sais, heureux du coup, ça marche. Ah, si elle bosse maintenant, elle va plus stream la nuit. Mais c'est surtout que... Ouais, c'est vrai. Et c'est surtout qu'apparemment, elle a un gros truc en ce moment. Puis la journée aussi, quoi, finalement. Parce que la journée, elle bosse, quoi. Faut que je mette 10. Bon. Ça a pas marché là? J'ai mis 10. Ah, c'est 30. Et du coup, je fais ça. 10, ok. Et de 1. Ensuite, je fais ça. Et là, ça fait... Ah, 20. Ah, je vais juste faire 20. Alors ça, c'est facile. 20. Hop. Là-bas. 20 aussi, je crois. Du coup, je refais. Pas ça. Quoi? Mais non, mais ça débarque de où? Ok. Quoi? T'es pas mort? Tu veux que je fasse un truc par là? Non. Bon, faut que je rééquilibre la pression. Sauf que j'arrive pas à voir ce que c'est. Attends. Hop. C'est combien? C'est 50. Ah, faut que je fasse ça, genre. Et ça. Et là, je fais ça. Et là, je fais ça. Et ça fait combien? 30. C'est pas bon? Mais alors, comment je fais? Oh, mais... Ça. Ah non, ça faut pas. C'est la valve de gaz, en fait. Qu'est-ce que je me fais? Et pourquoi je l'active à chaque fois? Je suis débile. Mais comment je vais faire? Ah, mais 50, c'est là! Voilà. Ok. En vrai, pour l'oral, j'ai quand même une solution assez simple. Pourquoi, vu que la prof fait par niveau, moi je suis A1. J'ai juste à écrire en français mon oral de stage et à mettre 2-3 phrases en anglais, easy. C'est bizarre. Mais faut quand même faire ça bien de toute façon. Déjà, de base, écrire le truc de ton stage en français, ça sera pas forcément le truc le plus instinctif, quoi. Alors en plus en anglais. Ça débarque toujours de nulle part dans ton dos, ouais. Ça, c'est vrai que je reproche un petit peu le spawn complètement hasardeux du jeu. Là, par exemple, c'est logique. Il était là, il se lève et tout. Mais, bah typiquement, c'est pas rare que je m'attaque à un zombie et je me retourne alors que j'avais nettoyé la zone, qu'il y avait personne, aucun cadavre et tout. D'un coup, il y en a 5 derrière moi. Mais vraiment d'un coup. Et ça, c'est un peu dommage. C'est un petit peu relou. Oh! Attendez, on loot un peu là. Il va me falloir de la vie en fait, et j'en ai pas. J'en ai juste pas du tout. Je savais! Quoi? Voilà, toi par exemple, t'étais pas là, c'est ça? Non, bon, si, il était peut-être là, lui. Lui, j'avoue, peut-être. Non, pas cela, c'est des connards et je joue pas avec eux! Merci beaucoup, Tilo! Pour son raid, ça fait bizarre, y'a pas de reverb, attendez. Merci beaucoup, Dila, pour son raid! Et joyeux anniversaire! Attendez, j'ai le truc! J'ai ça!
c'est pas Genshin? Ah bah non. J'ai jamais dit que c'était Genshin. Oh, c'est un petit peu fort. Je suis pas que du Genshin, tu sais, Dilo. Hello, fan live. Des gros bisous. Ici, il était bien là. Ouais, bon, celui-là, j'avoue, il était bien là. Non, non, je veux finir le jeu, là. Là, je pense que tu es bien parti, là. Et toi. Oh, je l'ai éclaté. T'avais cru lire ça dans le titre? Bah, j'ai dit après, peut-être. Ça dépend quand je termine. Merci beaucoup pour l'avocado à Dilo. Et faites un petit slash shoot-out. Les modos, si vous pouvez. Pour Dilo. Même si maintenant tout le monde la connaît, évidemment, mais quand même. N'hésitez pas. Moi, je suis en QWERTY, donc ça va prendre 5 minutes si je le fais. Merci beaucoup. Bon, j'espère que ça a été ta soirée, que ton resto était bien. Salut Squamifère. Et salut Vinou. Aussi tu as des jolies LED en arrière-plan. Oui, c'est gentil. Moi ça change de couleur, mais c'est moins stylé. J'aimerais bien un peu des néons un jour. Mais flemme un peu. Alors pour le moment c'est bien comme ça. Ok, il y a du monde. Je vais vous éteindre. Non, tu fais quoi? Ouais, bon, je vais gérer, c'est pas grave, ça. Hop là! Petit arrêt sur image. Moi, j'ai demandé ceux de Dilo en arrière-plan. Moi, c'est juste une guirlande. Voilà. C'est juste une guirlande. Merci pour la commande qui fait n'importe quoi. Ah d'accord, ça veut pas. J'essaye de slash shoot out, mais ça veut pas. Merci, ça marche pas. Si, c'est bon. Hop là. C'est plus ton anniv. Ouais, mais alors. Moi, je lui souhaite de vive voix aujourd'hui, parce que j'ai pas pu le faire de vive voix avant. Je l'ai fait plusieurs fois à l'écrit, mais pas de vive voix. Le vive voix, je trouve ça bien. Mais ouais, et ma guirlande en fait, je peux la régler si pour ceux qui s'intéressent, voilà cette petite truc, c'est une guirlande connectée et du coup je peux régler des trucs, genre mettre un peu de rouge pulsant par exemple. Enfin, je peux changer de couleur et tout. Non, on va mettre du rouge parce qu'on est quand même sur un jeu avec de l'attention. Attention à vous. Se connecter à Google, avec ça, etc. Ah, j'en sais rien du tout. Moi, je suis pas connecté à Google, avec ça, etc. Donc je m'en balance, j'avoue. Mais il y a un truc, je crois, avec effectivement le détecteur de micro et tout. Donc je pense que c'est possiblement le cas, ouais. Dégage. Je pars là. Alors, on cherche nos mates pour se barrer. Parce qu'on a cru comprendre que, en gros, là, on est à la fin de Dead Island. Et on a cru comprendre que ça allait continuer à craindre longtemps pour tout le monde. Et que, niveau remède, vaccin, etc., c'était un peu de la flûte, voire une grosse arnaque. Donc on s'est dit, ok, il va falloir qu'on se barre. Et du coup, on essaie de se barrer, mais on a nos mates qui sont je ne sais pas où. Je sais pas comment on les a perdus. Là, j'avoue que ça... Parce qu'on est partis tous ensemble, donc je vois pas trop pourquoi. Je crois que c'était Emma. Non ! Salaud. Oh, la coupe de... Oh, la coupe de veuge incroyable. Bon, ok. Il est insensible à ce que je fais. Oh, je suis insensible à ça. Oh ! Ah, mais c'est un brutal. Mais il est tellement vénère. Ah ! Il va me buter. Je te fais ça. Tiens, de l'eau. C'est dégoûté, hein. Et maintenant, je te fais ça. Ça, j'ai dit. Hop, là, j'explose. Et maintenant qu'il est mouillé, paf! Je l'électrise, si le jeu veut bien.
Ce que je fais avec mes bras, c'est que je pars. Hein. J'essaie juste de partir au bon moment, donc je spam. Mais une des manières les plus simples de le faire au bon moment. Ah, il meurt jamais ? Merci. Zombiologie. Bon allez, on va essayer de retrouver les copains. Je sais pas du tout comment on les a perdus. Hein. Fallait que j'équilibre l'attention, je l'ai fait, puis... Au niveau des tuyaux, et puis plus rien, ils sont barrés. C'est littéralement la personne que t'envoies pousser la voiture pour qu'elle démarre, et puis après tu ne t'arrêtes pas. Tu laisses la voiture avancer sans rien. De toute façon, c'est par là. Coucou silence. Attention, je vous envoie de la flotte. Ah oui, c'est vrai, ils sont forts ceux-là. Ah, je suis tellement dans la tétrasauce. Parce que j'ai pas de soins. On va essayer de looter tout ce qu'on peut pour looter les soins en fait. Évidemment. Non mais je me doutais. Ok. J'ai un bonus de soin si je tue des mobs ou si je pars, donc je vais essayer de le faire. Merde, elle m'a tué avant. Aussi que le vaccin c'est de la flûte. Mais Sam, faut pas spoil. Ça, j'ai un mode dodo activé, crie pas trop s'il te plaît. Pas de soucis. J'ai tout à fait tendance à garder mon calme en toute situation et à ne pas trop abuser de la GoXLR même quand il est minuit 37 passé. Ne vous en faites pas, vous pouvez vous endormir mais n'hésitez pas à lâcher un sub avant. Des bisous. Ah, dans ta gueule. Faut que je fasse ça, et faut que je fasse ça, et faut que je fasse ça. Ça marche pas bien, ça. Comme les poils. Les poils pas bien. Ok, je dégage, ça m'a saoulé. Ah oui, faut que je trouve la clé. C'était ça le truc, donc faut sûrement que je tue le mob. Ok, là, bien, on peut bien avoir la clé. Un mob tout pourri que je vais tuer très facilement. Ou le putain de boss pour lequel j'ai déjà passé 3 heures la dernière fois. Qui peut bien avoir la clé dont j'ai besoin? Ah, l'autre qui gueule. Consommable, piège, objet lancé. Hop. Prendre ça. On va voir si c'est ça. Mais où celle qui gueule? Elle est là. Je l'ai pas du tout vu arriver ce bâtard. Non, trop loin. Je suis dégoûtée. Ouais. J'essaie de le contourner, mais JPP. Mais ça sent bien la gueule, c'est toujours mieux que moi. Ouais, ouais, trapper, effectivement, il y a... Il y a un peu moins de soucis, je pense. Un petit peu. Voilà, eh, déjà, je lui fous le feu. Ah, ça a pas marché. Bon, je refais ça, alors. Voilà. Ah non, ça a pas marché, j'ai pas du tout paré. Ah, j'ai pas paré. Ah!
Est-ce que je peux looter des soins? Bon. Ah, trousse de soins, merci. Oh, merci. Ils sont où les autres connards là? Ok, je me soigne. Je suis à la fin du fight là. Oh non, pas du tout. Pas grave. Il est où? Attends, je crie, hein. Il meurt, mais il ne meurt pas, hein. C'est fantastique, c'est génial. Il ne meurt pas du tout. Il a plus de vie, hein. Bah non. Horrible. Oh punaise, l'enfer. J'ai tout looté. Oui. J'ai un peu dessus dès que tu as jamais entendu. Oui, parce qu'à chaque fois ça marche pas. Ouais. Je vais prendre la batterie. J'ai l'impression que j'en ai besoin. Oh. Petite zone de loot. Ils sont mes amis? Pourquoi ils sont partis sans moi? C'est vraiment des bâtards. Y'a aucune raison qu'il soit parti sans moi comme ça. Ah, oh, je vais pouvoir me réparer. Oui. Ah, des soins, évidemment. Ouais, 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 ouais. Ça va aller là, ça, hein. Yo, Constant. Okay, Constant. Chthonic. Adjective. Of relating. Qu'est-ce qu'il raconte, le truc, là? Ah, mais ça, j'ai rien dessus. On va peut-être faire un truc. Ouais, voilà, multiplicateur. Bien zombie, génère plus de colère, c'est bien. Et dans ce tir, on m'a réduit la pression, mais c'est pas grave. Hop là. Ça, c'est bien ça. Non, mais j'ai activé un truc que je voulais pas. Ça va me gonfler, je sens. Ça, je vais mettre à la place de ça et ça. À la place de ça. On va voir, on va tester. Ça, tout ça, ça fait plus de dégâts que ce que j'ai en premier, donc ce sera peut-être pas mal. Voilà. Ça marche bien. Non, F, dégage. J'en ai marre du tuto constant sur le jeu, j'en ai marre. J'en ai marre qu'ils me disent constamment quoi faire alors que j'avais tout désactivé, j'en ai marre. Monter le level des violettes? Ah oui, c'est vrai, attends, je peux, mais est-ce qu'ils me le proposaient? Je suis pas sûre. Je vais voir ça. Il faut surtout full thune et je crois que j'en ai pas beaucoup. Genre par exemple celle-là ou celle-là, ça serait peut-être bien. Celle-là elle est bien, je vais voir si je peux égaler le niveau. Ça demande beaucoup de sous.
J'aurais plus rien après en fait. Mais celle-là elle est vraiment bien donc je pense que je vais y aller. Et en plus elle est plus basse. Ouais. On en aura fait pour une arme au moins. On va faire comme ça, on verra. Ça me semble bien. Mais égaler le niveau ça coûte pas mal de thunes. Moi j'avais pas vu qu'au niveau des dégâts effectivement elle commençait à être un petit peu dépassée. Pas Tom. Bah je vais vous aider hein, mais il fallait peut-être m'attendre en fait. Hein? C'est une bonne idée hein. Donc je passe par où? Je sais pas. Mais c'est classe. Par où je vais? Je vais par là du coup, je descends hein. Une fois fait, ben c'est un peu définitif, quoi. Maybe Andrea was right about Emma. Oui, Andrea, ça... Ça s'aboniche, hein, littéralement. Elle disait qu'elle était devenue... elle était redevenue l'ancienne Emma ou je ne sais quoi. Bref, elle avait Géchant. Et de manière positive. Mais moi, je pas... Voilà, je pas tout suivi trop. Mais je la crois à fond. Faudrait qu'on trouve des thunes. Comme ça, je pourrais peut-être améliorer une autre arme. Ce serait bien. Tu vois, ça coûte un max. Un autre boss? Ah non, pas tout de suite. Là ça va être... Là ça va être... Je sais pas, peut-être une carte à trouver ou une clé encore. Mais pas sur un boss du coup. Sur... je sais pas, dans une pièce infestée peut-être. Ah ou un générateur. Ouais ça c'est plus hippo ça. Ça c'est bien le genre. Ok. Attends. On va prendre après, mais d'abord les portes. Les chiottes, évidemment. Où il n'y a rien à part du caca. Oops, did I wake you up? Ok. Bon. J'en ai touché plusieurs pour que ça fasse un petit ralenti là comme ça. Ok, on va évidemment mettre autre chose en truc de lancer. La bombe à clous, je vais tester. Je l'ai pas beaucoup testé, je l'ai testé genre une fois. J'ai pas trop vu ce que ça faisait. Là on va retester. Ça sert pas mal. Ça pète un peu toi. Bref, pas pareil. Ok, mais j'ai plus de quoi bouffer. Je vais voir là-bas. Rien du tout, hein. Et puis j'ai renversé un truc en plus. GG, moi. C'est pas grave. Prends ça. La thune encore. Je prends, hein. Alors une horde assommée dans un couloir en rechant, sinon il repop. Ouais, ça c'est bleu cipo, ça sent l'aura ça. Ça, je le sens très bien, ouais. Ah non, je pensais que c'était un Red Bull. Là, c'en est un.
Voilà, j'essaie de me régénérer avec ce que je trouve pour pas utiliser mes précieuses popos, je sais. Oh non, ça c'est chiant. Merci du ralenti. C'était spectaculaire. J'ai débloqué une carte tueur, je vais regarder. De même. La jauge de colère sanguinaire est quand la jauge est pleine, donne un bonus modéré de résistance. Quand elle ne l'est pas, donne un bonus mineur de dégâts. Oh, ça peut être très intéressant ça. Même si je sais pas la portée du bonus. Cocktail explosif en colère sanguinaire, les attaques au corps à corps déclenchent des explosions à l'impact, mais dépensent plus de colère sanguinaire. Ça peut être pas mal, mais est-ce que je risque d'être impacté par l'explosion? Prends ça. J'ai peur de l'explosion qui m'impacte moi. J'ai un peu peur. J'ai pris le truc qui me donne un bonus de dégâts si elle est vide et de résistance si la barre est pleine. Y'a quoi là? Y'a pas de vie. Yo, it's me. You guys still okay? Hey, it's Emma. Ah bah enfin! Vous donnez des nouvelles! We'll have a straight shot through to Hollywood with any luck. How about you? Getting there, you know, just a couple. Comment sortir? J'ai juste quelques contretemps. On tombe de l'autre côté. Ouais. On va tellement prendre cher. Pendant que les autres ils sont trois là, et ils se défendent entre eux, moi je suis toute seule. Venez, venez, venez hein. Ça vient pas hein. Ça peut fly hein. Oh, je sais, je vais tester. C'est rigolo ça. Vous tapez le courant. Me disait bien. J'ai envoyé mon arme! C'est pas du tout prévu! Bordel, j'ai pas d'arme! À feu! Non, j'en trouve pas. Oh, toi, je vais te marrer! Mais je suis ma colère solidaire, je suis stupide. Elle est morte. Je vais die juste parce qu'elle veut pas crever. Putain quoi. Ça me saoule, ils ont une résistance de ouf. En fait ils ont une barre de résistance qui quand elle remonte, et ben c'est mort. Je peux retaper pendant 25 minutes. C'est insupportable. Et du coup, j'ai pas d'arme à feu là. Ah ça, je vais foutre ça là, hein. Voilà. Hey Breaker. Jamais toute seule, l'accès V. Ou alors on t'a oublié. Ouais, du coup, toute seule en fait. C'est deux cipos, hein. Ça arrive, hein. Regardez le chat.
Une autre voiture. Disney Dreamlight Valley, j'ai pas croisé de zombies encore. Voilà. Pour ce message, je viens de me prendre une balle qui m'a enlevé la moitié de ma vie. C'est super. Ok. Encore un qui pop dans ton dos. Ouais, tout à fait, tout à fait. Surtout quand elle se met à crier là, la hurleuse. Ça pop totalement dans mon dos. On va se réveiller ça. Parce que il les appelle en fait. Attends, faut pas que je coupe le courant. Ah bah si, faut que je coupe le courant là-bas. Ou je rétablisse le courant. Ah bah super. Je pensais qu'il fallait que je coupe le courant de cette zone. Trouver un disjoncteur. Ça me fatigue ça par contre. Devoir faire ça constamment c'est lourd. C'est très lourd. Je sais pas comment trouver le disjoncteur sachant que ici bah j'aimerais bien qu'il n'y ait plus de courant. Tout ça pour ça. Bon bah je pense qu'en fait je peux marcher un tout petit peu dans l'eau si c'est pas longtemps. Bon là je peux et je perds de la vie et c'est génial. Et toi je veux te maintenir que. Ça c'est chiant ça. Il faut bien que je loot, merde. Je me déteste tellement. Bon j'arrête. Bah je vais die en fait. Super. Du coup je trouve où ce truc de merde là. Salut Didino. Faut que j'aille là-bas, mais oui. Est-ce que je pourrais couper l'eau? Oh, ce serait cool. Ah merde. Ah non, c'est bon. Je coupe le courant. Oh oui, alléluia. Ok, je prends le disjoncteur. Il faut que je remonte avec. Ah, quel emmerdement. Des énigmes de Merlin en fait. Franchement, à force, ça a un petit peu cette vibes là, ouais. Parce que c'est tout le temps la même chose. Et c'est chiant. Quelques fois ça va hein, mais là c'est vraiment tout le temps. Soit ça, soit une carte d'accès. C'est pour tout, ce sera pareil. Putain. Allez, je t'en supplie, ramasse ça. Oui, c'est bon. J'en peux plus. À peine je touche. Hein. J'en peux plus, je veux pas utiliser de soin. On est pas beaucoup. Enfin j'en ai 4 mais je peux pas en craft comme je veux, j'en trouve pas comme je veux. D'accord, du coup c'est bon, je peux enfin passer là. Ok, merci beaucoup, c'est gentil. Oh. Oh. Ok. Oh oui, c'est bon, je me heal. J'aimerais bien trouver une table de craft pour me réparer et voir avec cette nouvelle arme là si je peux pas l'améliorer.
C'est bien fait, Pameil, c'est bien fait. Là, je suis full, quasi. Juste en trouvant des trucs au sol. Le bon, la bonne barre de céréales qu'on trouve dans, dans de l'eau croupie. C'est toujours une bonne idée. Voilà qui fait ça. Hein. Ah, mais je vais y aller après, c'est sûr. Là, je vais essayer d'ouvrir une porte, elle sera fermée. Voilà. Oh, je suis enfermée. Non, c'est bon. Oh, incroyable. Un petit point pause, non? Non. Pas grave. C'est pas grave parce que l'important, c'est de passer un bon moment. C'est encore un qui va éclater. Merci beaucoup, Aurel. Et bonsoir. Et tu sais, avant d'aller se chécou. Toujours un plaisir quand je vois que d'autres parlent en verlan. J'espère que tu vas bien et que vous passez un bon stream. Oui, je galère pour cette fin de Dead Island 2, mais c'est quand même un jeu très cool. Merci beaucoup. J'ai vu que t'étais sur Sekiro. Et j'espère que tu t'en sors. Et bon courage. Il a l'air vraiment pas simple, mais vraiment très cool. Tu l'as agrafé dans le mur. Merci beaucoup pour le resub, c'est adorable. Ça fait un an. Merci. Ça, attendez, c'est un subiversaire. Ça vaut un petit... un petit quelque chose quand même. Quand même, c'est genre... Genre, j'ai réorganisé mon stream deck et je trouve pas... Ça! Joyeux sub! Anniversaire, on avait dit. Pas le subiversaire. Merci beaucoup! Oh merci, mais c'est toi, merci, oui! Des gros bisous, merci beaucoup d'être passé, c'est très gentil, merci pour le sub, c'est adorable. N'hésitez pas à passer voir Aurel, évidemment. Qui en plus est du Sekiro en ce moment, et qui a découvert il n'y a pas longtemps Wind Waker. Jeu exceptionnel, évidemment, qui a découvert aussi Tears of the Kingdom, parce que jeu exceptionnel toujours. Donc voilà, je vous enjoins à lâcher un sublime follow. Indiens. J'ai pas le contexte. Qu'est-ce que j'ai dit? Je me trompe de mot, mais là quand même. Bon. Est-ce qu'on va réussir à avancer dans ce jeu? Je ne sais pas. Parce que là, tout se ressemble. Et j'en ai marre de devoir traîner des générateurs et de chercher des cartes magnétiques. Mais les objectifs s'enchaînent, donc c'est qu'on y arrive. Et bien cette masse quand même. Regardez le bruit de l'impact. 8 milliards de critiques, j'ai vu. Faut vraiment que je traîne ma batterie, moi. Je suis sûre que j'en ai pas besoin. Mais je suis sûre que si je la prends pas, je vais le regretter. La musique d'anniversaire du Buffalo, punaise, mais je l'ai pas moi, je connais pas. Non mais vraiment. On prend un petit siffle et tunnel, on en a marre là. Hein. Toute cette phase de jeu n'avance pas beaucoup. Enfin n'avance, si.
En fait, surtout que c'est très répétitif. Là, vraiment, depuis... Depuis au moins une heure, on fait vraiment que être dans ces couloirs, même plus, hein. Moi, si depuis une heure, on est dans les couloirs du métro et on voit vraiment tout le temps la même chose et on fait la même chose. Et on doit rejoindre nos poteaux, mais là, je vois un peu de lumière. Je vois ma batterie. Oh, oh, oh. Oh. Getting everywhere. Oh, une patte. J'ai trop de trucs. Inventaire. Je vais recycler ça. Ah! La musique d'anniversaire du Buffalo Girl, mais je connais pas. Je savais même pas qu'il y avait une musique d'anniversaire connue là. Oh my god! Could I? Tunnel de métro de Fallout. Yes. Je m'en rappelle mal. Ça durait tellement longtemps. À faire les mêmes trucs, ouais, c'est un peu lourd. On va conduire un train. Oh, je vais devoir aller chercher des générateurs encore partout pour activer le train. Ça va, on va encore faire un peu la même chose, je pense. Hein. Malheureusement, ça va se répéter un peu, mais on va peut-être trouver un coin où se poser pour se réparer. Je loot évidemment tout ce que je peux avant. Bon anniversaire les petits indiens sur YouTube, tu verras. Est-ce que tu entends à fond au Buffalo Grill dès que quelqu'un fête son âge là-bas? Je savais pas. Oh, l'anniversaire au Buffalo Grill. Alors. Les petits indiens, c'est ça? Les anniversaires, les petits indiens. Effectivement, j'ai mis les. On m'a proposé les petits indiens. Ils ont vraiment fait une chanson. C'est incroyable. Oh merci de m'avoir fait découvrir ça. Ah oh, je crois que je vais mettre ça à la place de ma shitty flûte. Avec tous vos copains. Réflexe. Exceptionnel. Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ça. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Ah oh là là, c'est toujours le cas vraiment pour ceux qui sont allés au Buffalo Grill.
Dites-moi que oui. La zik, c'est mon adage juste pour avoir la zik. Et une bougie sur un fondant chocolat. Oui, effectivement. Ça, effectivement, je me rappelle que des potes avaient fait pareil. En vrai, on fêtait vraiment son anniversaire, mais c'était pas, il me semble, ce jour-là. Je suis quasiment sûre que c'était pas le bon jour. Du coup, on a eu le fondant, ouais. On a eu le fondant. Mais la musique, je m'en rappelle pas. C'est du vieux verso, on nous dit Royal. Ah, mais les lots, oh là là. C'est exceptionnel. Cette scène de baston est restée totalement musique. Ouais, je suis dégoûtée d'avoir pas réussi avec cette musique parce que je trouve que ça le... Je trouve que c'était vraiment parfait. Là, le recommençage est beaucoup plus terne. Bah, il dit juste pour avoir la zik et une bougie, donc c'est que c'était pas son anniversaire, hein. Ah, c'est trop bien. Oh, toi. Oula, non, je déconne en fait. Il y a des trucs derrière moi. Je bosse. Ah, c'est trop dégueu. Je me suis trompé de touche, ça fait chier. Dans ta gueule. Mais je lui fais rien. Là, je lui fais rien. Là, y'a aucun impact, là. Non, c'est trop... Non, non. Ok. Transformation en Super Saiyan. Pourquoi elle vomit? Elle fait des bruits chelous. Arrête de faire des bruits chelous, je t'en supplie. Va... Attends. C'est bon là? Fais-les tous. C'est qu'il en reste? Oh. Oh, ça va être long. Ah! Y'a rien là, oui y'a rien. Là y'a rien. C'est puissant ça un peu, non? Ok, j'ai une rage. Un contaminé en jogging, moi je trouve qu'il fait un peu peur. Non, on va y aller comme ça. Toi t'as pas de bras de toute façon. En vrai j'ai un peu moins peur. C'est peut-être du stéréotype mais ça me fait moins peur. Quoi y'en a encore? Ah ouais, ok. J'ai ma colère sanguinaire là. C'est quoi? D'où? Je sais même pas ce qui me fait mal, mais on va dire ok. J'ai la ref maintenant. Ah! Je sais pas rechanger. C'est sympa les armes à feu. Ça lui fait R. Là c'est du gâchis de fou. Je te connais pas toi. C'est quoi ce mob? Ah si, je le connais, trop chiant. Ok, on en est où? On en est à Kwakubé.
Et maintenant, je vais faire ça. Dans leur tronche. Et je m'en vais. Tous les serveurs qui applaudissent en rythme sur la musique. Oh, c'est vrai, vraiment, ça se prend la punaise. Mais j'ai trop... Oh, je veux voir des vidéos. Oh oui, je veux voir des vidéos d'anniversaire au Buffalo Grill maintenant. Oh oui, ça a l'air exceptionnel. Non, ça lui fait rien ça. Toujours pas besoin parce que j'ai économisé ma vie. Toi tu saoules. Oh, toi tu saoules de fou. Toi tu t'étrasoules. Il y a un truc qui me crame. Ça me crame le derche, j'ai l'impression. Pourquoi mon cul fume? Ok, peut-être un petit soin pour me rassurer. Parce qu'on est quand même à la fin et là je suis pas rassurée. Et maintenant... Parce que eux ils sont... Attends! Ouh là là! Soin! Oh mais il me saoule lui, je l'aime pas! Je veux dire, il te balance du feu au bout d'un moment! Il te balance du feu, il te gerbe dessus, il te balance ses côtes à la gueule, vraiment hein! Aïe! Il va me venir dessus! Je fais un petit tour. Arrête! C'est chiant. Voilà, ça ira bien. Flemme! Franchement, flemme! Non, mais là, niveau Buffalo, sérieux, ça a l'air exceptionnel! Merci, hein. Vraiment, j'étais pas au courant de tout, cet événement que ça pouvait être. Oh, j'ai une carte tueur qui a comme carte, évidemment. Ah, j'en ai une autre. Hurlement infligé électrisé aux ennemis proches, c'est bien ça. De la destruction. Frappe de rouge, je fais jamais. C'est quoi ça? Je m'étais électrisé. Voilà. Ça a l'air bien. Est-ce que je peux continuer la mission? Tous à bord pour Hollywood Boulevard. Oh, vraiment? Ça y est? On s'en va en vacances? Hollywood! Let's go! Comment t'étais déjà suffisé, mais je suis pas sûre qu'il m'ait reconnu! Ah, la petite photo là, avec ton fondant d'un fan. Oh, ce serait très drôle. Les serveurs, ils tentent le rythme. Il faut imaginer avec le sourire forcé et leur fort intérieur qui se dit « Je suis pas assez payé pour supporter. » J'imagine parfaitement. Et c'est ça qui est terrible, c'est que je les vois en tête, mais j'ai envie de le voir pour de vrai. J'ai envie de voir le désespoir dans le regard avec la souris. Hey, est-ce qu'ils font le Hello. Oh please. No, I'd beat them. Ah, et puis ce serait pas du tout cringe en plus maintenant à notre époque, c'est pas encore pire. Faut le voir. Je pense qu'il faut le vivre un jour, ça. Waouh, le son m'a fait peur. Je m'en vais d'ici. Oh, une gare et un métro et des couloirs sombres. Un souterrain. Et je vais sûrement avoir du courant à remettre et je vais souvent sûrement avoir des clés à trouver. Et le son est trop fort pour moi, en fait. Peut-être pour vous, faut pas hésiter à me le dire. J'ai l'impression que là, j'ai mis un peu fort. Hop là, couleur sanguinaire. Aïe, voilà. Hop, voilà, une porte fermée. Ça va, on reste au frais. Non, tu veux pas savoir si. Heureusement, il laisse pas la zique en entier. Lox, les loups sont dans l'incapacité de franchir un ruisseau d'eau douce. Ils sont hydrobloquants. Non, mais je savais ça. Oh.
Est-ce que si je réessaye trois fois, ça marche? J'en ai marre. J'en ai marre des portes fermées. Il y a que ça dans ce jeu. Que ça. Et là, je peux pas pousser. Je peux me mettre en rage sanguinaire et tuer des mobs qui ont à peu près 5 vies. Mais je peux pas pousser une armoire quasi vide, hein. Il y a deux caisses. Si c'est 5000 bits, mais non, pas 5000 bits, 5000 petits cailloux. C'est de la monnaie de ma chaîne. Oh, un pistolet à clou. Comment ça? J'ai trop de trucs dans mon inventaire. C'est plus si beau, effectivement. Bah, je vais virer ça. Non, ben non. Oh, l'épée, se la vire tellement. Ok. Pistolet à clou. Oh, you are just what I needed. Ah ouais? Just what I needed and what I needed. Oh la vache! Ah, mon anglais il a fondu! Comme derrière sur un radiateur. Ah, faut que je remette du courant là! Du coup, faut que je suive. Bah ben, voilà. Eh ben yes. On est marre de devoir établir du courant tout le temps. Je dois faire ça genre. Vraiment? Vraiment à peu près 15 fois par session de jeu. C'est fatigant. Du swing. Ok, attendez. Je me concentre. Si je dois remettre du courant. La prio, c'est quoi? Électricité. Électricité en cas de survie, comment ça se produit? Il me faut une patate. J'ai découvert Brotato hier, c'était sympa. Hein. Si tu sens pas, j'en referai peut-être. Brotato. En tout cas, vous aimez le silence? Vous voulez peut-être. Peut-être une petite musique de Buffalo Grill hein, pour rompre ce silence, vous me dites. Hein. Comme de la rillette sur un radiateur, une vraie expression. J'ai entendu dans Caméra Café. Voilà. Donc pour moi, oui. Ah punaise, j'ai des rêves que plus personne n'a. Mais j'ai pas 200 ans. Ton anglais fait comme tes paupières et ta langue des fois. Oui, c'est vrai, ma paupière a fait ça. Bon, allez, je veux... Oh, oula, je suis pas concentrée. Attendez, là, il y a du courant et là, il y a ça. Je pense qu'il faut que je mette de l'eau. Mais non, mais il y a pas... Pouvoir de déduction, il est incroyable. Je pense que ça vaut un petit, monsieur Poel. Je sais exactement ce que je suis en train de faire. Je sais. Pas du tout. Attendez, mais je peux pas. Du coup, cette porte est toujours fermée. Oui. Ça, je peux toujours pas monter. Bah si, non, mais c'est ça. Faut que je mette de l'eau là. Allô Lola. Non, alors il faut d'abord qu'il y ait du courant ici du coup. Oui c'est ça. Donc il faut... J'ai pas de fusible. Je crois que j'ai affaire à la plus difficile énigme de l'histoire du jeu vidéo en fait. Ok c'est valide, merci. Une vraie expression. C'est sûrement pas une vraie... Je sais pas, sûrement pas une vraie expression. Si, peut-être. Genre, vous savez, une expression berrichonne. On parle de rillette là-bas. Pourquoi pas, il me regarde bizarre. Je crois qu'on va se taper. Non, non, on va... attends, trouver les autres. Ah bah merci pour... Attends, putain, attendez. Faut que je trouve un moyen de rentrer dans cette pièce. Jusque là... Ah, peut-être là-bas. Mais oui. C'est nickel. Des rien dans le berry? Je sais pas.
sûrement. Il y a des supermarchés, hein. Ça va, hein, c'est peut-être la campagne, mais c'est pas non plus une île déserte, hein. Dans Albéry, ils ont des supermarchés, hein. Condescendant de Parisien. Il faut vraiment que j'entre... Oh, mais oui! Mais je suis... Oh, je suis tellement teuteux! Oh, j'ai envie de m'éclater la gueule! Oh, la vache. Oh, 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 alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Ah, c'est... Ah ouais, mais il s'est dormi 2 heures, je t'ai dit ça. MDR, pas en vente, en spécialisé. Ah oui, parce que monsieur a besoin d'être spécialisé. Monsieur n'achète que des produits d'artisans. D'artisans fromagers. D'artisans... Des forains, quoi. Oh. On dirait des antennes. Une bébête, ou... Une grosse bébête. Tiens, tu vas faire quoi la caisse? À part te casser. j'avais vu un truc. J'avais vu ça. Je l'ai prise? Ah, c'est bon, je l'ai prise. Ok. Bah, je l'ai. Elle est là. Des bisous Aurel, merci beaucoup. Et merci pour cette histoire de Buffalo Grill. Je pense que... Je pense que je trouverai un moyen d'exploiter ça au mieux. Des gros bisous. Je fabrique mes propres produits d'artisanat. Bon, pour le moment, ça se limite à quelques bracelets brésiliens. Il faut bien commencer. Et est-ce que t'es brésilien? Voilà, et ben Aubéry, ils font des rillettes. Sûrement. Vu que toi, tu fais des bracelets brésiliens. Putain, la réappropriation culturelle. j'arrête. Oh là, mais j'ai dit, j'ai dormi 2 heures, c'est pas facile pour moi. Pas facile. Hop là, j'active ça sans même savoir ce que ça va faire. Donc pour moi aussi, des bisous, Vinu Takashi. Il m'est sorti par la bite, celui-là. Nightmare. 3107, 2003. Bienvenue. J'ai oublié un 0. Et merde, j'ai mal prononcé le pseudo du coup. Alors si ça se trouve, t'en sais rien. Moi non plus. Voilà, voilà. Moi je pense que t'es plus berrichon brésilien. Je sais pas ce que j'ai. Je suis berrichon. Un peu. Je pense que j'ai un quart de sang berrichon. Okay, attendez, il faut que je fasse quoi? Faut mettre le courant. Je suis le câble. Ok, du coup, faut que je mette de l'eau ici. Donc faut que je trouve de l'eau. On va réparer. J'ai combien en sous? 4000. C'est vraiment pas fou. Toi, je vais te recycler. Sortie de Belgerie. La berrichonnerie. La berrichonnerie. Bon, t'étais pas là, toi. Hein. Ah non, hein. Va pas me faire. Hein. Oh, il me faut de l'eau. Ah bah je peux l'activer peut-être ici, non? Pas le dos, voilà. Hop là, là ça active. Et du coup il y a du courant. Et du coup, hop, je peux actionner ça. Désolé, mais bon. Oh, je m'en fous.
un peu la flemme de tout buter là, j'avoue. On a un peu marre là. Faire de sang berrichon, c'est douloureux. On s'y fait quoi. Ouvrir. Je peux pas ouvrir. Épisode. Il est où mon objectif? Il est là-haut. Pourquoi j'ai ouvert ça? Mais vraiment? Eh bah tant pis, je me casse. Un cœur que tu connais, mais si on rentre plus loin, ça se trouve, t'as du sang visigoth. C'est quel coin, visigoth? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est chiant. Oh, je sais, je vais vers ça. Pas mal. Ça m'a fait trop mal, ça me saoule. Ça me saoule de prendre des dégâts aussi stupides. Bon, allez, je me heal, tant pis, tant pis. Je pense que ça va repop tout le temps, donc ça sert à rien que je m'acharne à tout buter là. Arrête, arrête, le jeu arrête. Mais arrête de me pisser dessus, c'est de très loin en plus. Mais... Ok. Ouais bah moi c'était relou. No time for a debrief. Got a mob on our tail. Oh, une horde à notre trousse, yeah. C'est pas comme le cas de tout le temps dans ce jeu quoi. Allez, passez tous là s'il vous plaît. I can't do it, not up there. Patton, listen to me. Every movie has this moment. The hero is tested in the worst way, but they always come through. I believe in you. Come on, let's do it together. Yo. Just trying to help a brother out. Quelque part en Germanie, les Visigoths, ok. Allemand quoi. Zombies can't use guns. Restés vers l'Allemagne, les Ostrogoths partis vers le pays de l'Est. Oh, ok, merci. Oh, l'hélico. Whose bird is this anyway? This doctor. I thought he was a good guy. Wanted my blood to cure the outbreak, but it turns out he actually kind of started it. What? 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 Every fucking time. Hey, it doesn't matter. Ancient history. Les histoires anciennes, non mais comment ça en met trop bien. Oh, c'est pas grave, vous savez. Je me fais laisse pas abattre. This isn't right. The heroes don't run away at the end. They see things through. Real life isn't like the movies. You think I don't know that, huh? The movies show us how we could be. If we were better people. Sam, will you just tell him? Sam! Ah. Sam, il est pas en forme. Sam, on va devoir se battre. Okay, oui. Ah mais non, mais il est immunisé aussi. Ah mais il va se transformer. Ou alors moi, je vais me transformer. Ah. Un de fou. I
I'm staying here. It must be different shit this time. Hollywood Boulevard. Même en apocalypse zombie, il tape sa frime, mais c'est vrai, c'est vrai. Focused on fame, I lost what really matters. You and me both. Emma. Ils ont pris Patton avec eux juste pour utiliser super. Ah oui, complètement. Hein. If he flips, we got to. C'est le seul qui peut conduire l'hélico. I know. Sam, ça va, tu te transformes? Ouais, dis-nous tout, Sam. I was trying to run away. I'm good at it. But I got to face this. Find out why Reuben took my blood. Stop him from hurting anyone else. Yeah. Now that's a Hollywood ending. Get back in the nick of time. You got it. Eyes open for whoever sniped the pilot, huh? Hey. Oh non, enfin encore se taper des tonnes de ouvrir des portes avec des générateurs et des clés. Yeah, Carla. You're you and that's all that matters. Hey, Doc. Wherever you are, I'm gonna find you. Je vous traquerai, je vous trouverai et je vous tuerai. Ok, pour chasser le docteur Reed, et ben dernière VOD, je vais arrêter là. Et la suite, en fait, j'avais vraiment beaucoup à faire, hein. En fait, j'étais pas du tout à la fin la dernière fois. Des bisous.